toujours être au milieu des images, tu vois, comme ça. Donc il est bon à des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Amen. C'est là que le Seigneur envoie sa bénédiction. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et vous également qui nous suivez sur Facebook. Que le Seigneur vous bénisse et que vous visitez dans ce jour. Amen. Voici, nous allons tout simplement commencer ce culte de gloire, ce culte d'amour, le culte où notre Père est là aujourd'hui. Il l'a déjà précédé, il est déjà là. Amen. Même si nos yeux physiques ne voient pas, mais nos yeux spirituels savent qu'il est là au milieu de nous. Il dit dans sa parole, là où deux ou trois sont rassemblés, je suis au milieu de nous. Amen. Amen. Je veux lire un verset dans la Bible. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles? Dans Matthieu 22. Matthieu chapitre 22. Alléluia. Au verset 37. Matthieu 22, 37. La parole de Dieu dit ceci. Et Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. 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 Nous allons encore refaire ce, nous allons répéter encore. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. C'est le but des enfants de Dieu. Amen. Et en ce matin, nous voulons vraiment dire encore combien nous aimons ce Dieu. Je sais que tu aimes Dieu, c'est pour cela que tu es ici. Amen. Je sais que chacun de nous aime son Seigneur. Amen. Le jour où le Seigneur t'a rencontré, ces jours d'amour, c'est ce qui fait que tu es ici. Amen. C'est ce qui fait que nous sommes ici tous ensemble. Et en ce matin, nous voulons vraiment passer ce moment d'adoration de Dieu en lui montrant tout l'amour que nous avons pour lui. En montrant combien ce Dieu nous fait tant de bien et en retour, pouvons-nous juste nous mettre debout là où on est, devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs, devant celui qui règne à jamais. Et nous allons élever nos voix. Et tu vas prier là où tu es. Tu vas dire quelques mots pour ton Dieu. Tu vas dire quelques mots pour commencer ce culte. Tu vas exprimer au plus profond de ton cœur ce matin. Tu vas lui parler. Tu vas demander à ton Dieu de parler encore à ton cœur. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci pour ce moment magnifique de façon de ta présence. Pour ce moment extraordinaire. Pour ce moment, Seigneur, papa, que personne ne peut nous donner si ce n'est pour toi. Quel privilège pour nous d'être dans ta maison. Quel privilège, Seigneur, de profiter de ce moment. De profiter de cette présence qui est la sienne. De profiter de ce moment qui est, papa, alléluia, que nous avons devant toi. Tu es là et nous te disons merci, papa. Merci d'être là. Merci de toucher les cœurs. Merci de nous permettre de déverser nos cœurs à toi. Merci de remplir encore ce moment de cet amour. Merci de prendre, papa, la place qui est la tienne. Merci, alléluia, de t'élever au milieu de ton peuple comme le Dieu redoutable, le Dieu fort et puissant, lent à la colère et riche dans ses bontés. Oh, quel privilège nous avons. Au-devant de toi, nous bénéficions, Seigneur, chaque jour de cette immensité d'amour, de cet amour sans fin, cet amour, alléluia, oh alléluia, qui t'a conduit à la croix. Cet amour qui t'a conduit à la croix, Seigneur. Cet amour, alléluia, qui t'a fait payer, que tu as payé, Seigneur, papa, alléluia, non, de ta vie pour que nous puissions avoir la nôtre. Pour que moi et mon frère, notre soeur, en ce matin, nous puissions nous tenir dans ces lieux pour t'adorer. Pour te dire combien tu es là, papa. Oh, nous ne savons pas comment exprimer. Nous ne savons pas comment expliquer. Comment expliquer, alléluia, cet amour. Alors que nous étions des pécheurs,
a choisis. Alors que nous étions méchants, faisant, battant à nos occupations, commettant les pires des choses, mais il est allé à la croix. Et nous voulons, encore une fois, lui montrer comment, nous nous trouvons cet amour. Allez, comment expliquer? Toute la pluie.
Yes, tu es papa.
Dieu d'amour est mon papa.
Oh, quand je regarde la grâce que tu m'as accordée d'être là. Seigneur, mon Dieu, je veux élever ma voix pour te dire un seul mot, Seigneur, que je t'aime. Amen. Je t'aime, Seigneur. Ni Kamara Sant, alléluia, Osa. Je veux te dire seulement, je t'aime. Oui, papa, je t'aime. Que toute la gloire revienne à toi. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Yeah.
est bon. Notre Dieu est Dieu. Notre Dieu est Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le maître des maîtres. Il est le commencement et la fin. De droite et tu lui dis je t'aime. Dis tout simplement que je t'aime. Donne-lui un saint baiser, dis-lui que je t'aime. C'est un tout petit mot, mais ça veut dire tellement beaucoup de choses. Il nous recommande de nous aimer les uns les autres. Alléluia. Merci Seigneur. Sans plus tarder. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour cet élan d'amour ce matin. Merci. Et tout doucement, nous allons nous préparer à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni. Merci Jésus. Merci pour cet élan d'amour. Merci Jésus. Merci. Merveilleux Jésus. Nous allons nous préparer à l'écoute de la parole de Dieu. La parole de Dieu est celui qui rentre dans les cœurs. Il brise même les cœurs qui étaient durs comme la pierre. Et le rend comme la chair. Et nous allons nous préparer à écouter cette parole après ce cantique. Alléluia. Oh,
reconstruire, libérer, guérir, redonner la joie à chacun. Sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline
la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce qui lui avait été dit par Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek des dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Amen. Oh, alléluia. Amen. Quelle merveilleuse histoire. Vous savez ici, quand vous situez, nous sommes où? Dans quel contexte? Les enfants d'Israël viennent de quitter l'Égypte. Le Seigneur a manifesté sa puissance, sa gloire devant Pharaon. Pharaon et son armée sont engloutis dans l'eau et Moïse sort. Moïse sort, il arrive à un endroit, il y a plusieurs étapes, mais s'il arrive à Refidim, c'est un espace, c'est un grand espace, un endroit qui, où il servait de campement. Un lieu désertique, ça se situe entre Sinaï et Mont Sin. À peine qu'ils arrivent à Refidim, la Bible nous dit que Amalek, c'est-à-dire le peuple des enfants d'Amalek, les Amalécites sont venus les attaquer. Alors ma question, qu'est-ce qu'ils ont fait aux Amalécites? Rien du tout. Alléluia. Ils n'ont rien fait. Eux, ils sont en train de simplement prendre leur marche pour aller vers la terre promise, pour aller vers le lieu où le pays où coule le lait et les miels. Mais subitement, quelqu'un vient les attaquer en cours de route. Amen. Amen. Bien, laissez-moi vous dire que sur le chemin vers la promesse du Seigneur dans votre vie, vous allez rencontrer les Amalécites. Amen. Amen. Vous n'avez rien fait, mais ils viennent vous attaquer. Vous n'avez rien fait, mais les difficultés viennent. Parce que vous êtes sur le chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, le chemin qui nous amène dans la gloire de Dieu, c'est un chemin qui est parsemé d'embûches, mais nous avons la victoire. Amen. 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 Ils n'ont rien fait, mais les Amalécites viennent les attaquer. Les Amalécites, bien-aimés, avaient la connaissance du lieu, parce que c'est un peuple qui vivait aux alentours. Eux, ils viennent d'arriver, parce qu'ils viennent de quitter l'Égypte. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que ceux qui vous attaqueront, l'ennemi qui vous attaque, il a l'expérience du terrain. Mais vous avez avec vous celui qui a la maîtrise. Amen. Alléluia. Amen. Ici, quand ils arrivent, on vient les attaquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse regarde parmi ceux qui étaient avec lui. Il y a trois, on nous parle de trois personnes. Alléluia. Amen. On parle de Josué, on parle de Aaron et Hur. Regardez ce qu'il est en train de faire. Il dit à Josué, Josué, toi et les hommes d'élite, vous allez descendre pour aller vous battre avec l'épée. Allez vous battre contre les Amalécites. Mais Aaron et Hur, nous allons monter. Monter ou parce que là, bien aimé, ils savaient que même si Josué était descendu pour combattre, mais ça c'était un combat physique, mais les choses se préparaient spirituellement. C'est pour cela qu'il les a pris. Il est monté avec eux, bien aimé, à la colline pour prier. Or, bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que devant les situations, devant Amalek, bien aimé, devant ce qui peut vous arriver dans votre vie, vous devez avoir une stratégie de prière. Amen. Il y a des choses qui exigent une certaine prière. Il y a des choses qui exigent une certaine dimension. Il y a des choses qui exigent de la hauteur. Moïse a pris de la hauteur parce qu'à la montagne, il avait, bien aimé, ce discernement spirituel pour comprendre comment se battre contre Amalek et aussi pour savoir avoir ainsi dit le Seigneur. Dans le combat, bien aimé, que vous menez dans votre vie, dans ce qui est en train de venir pour vous attaquer, vous avez besoin de l'ainsi, dit le Seigneur. Moïse savait que cet homme-là, Amalek, avait l'expérience du terrain. Mais moi, je n'ai pas l'expérience du terrain, mais j'ai avec moi celui qui a la maîtrise. Et pour avoir celui qui a la maîtrise, je dois monter quelque part pour parler avec lui, pour qu'il me donne les révélations. Oh, bien aimé dans le Seigneur, enfant de Dieu, apprends à aller à la montagne. Apprendre à la colline pour avoir le rhéma de l'Éternel, pour avoir la connaissance du Seigneur sur ta situation, pour avoir la révélation de Dieu.
Aujourd'hui, le problème est que nous ne voulons pas aller à la montagne. Nous voulons simplement se battre physiquement. Mais nous ne voulons pas, bien aimé, aller à la source. Se battre physiquement, c'est-à-dire quoi? Nous sommes en train de chercher des solutions humaines. Nous sommes en train de réfléchir. Parce que nous sommes dans le domaine physique. Mais l'enfant de Dieu ne se limite pas dans le domaine physique. Mais l'enfant de Dieu monte d'un cran. Ils vont dans le spirituel. Parce que sache, bien aimé, que tout ce que tu vois physiquement ici, il y a déjà une préparation spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Moïse est allé. Moïse prie. La Bible nous déclare qu'il lève les mains. Bien aimé, il n'était pas en train de prier vaille et vaille. Non, il y a une manière de prier devant le Seigneur. Il lève les mains parce qu'il dépendait de l'Éternel. Il lève les mains, c'est comme signe de prière de victoire. Comme signe, bien aimé, que le Seigneur est avec lui. Lorsqu'il lève les mains, bien aimé, il sait que l'Éternel, le Dieu des armées, est avec lui. Amen. Mais Moïse n'est pas allé simplement avec les mains vides. La Bible dit qu'il avait le bâton. Alléluia. Amen. Que symbolise le bâton? Regardez, lorsque les enfants d'Israël arrivent devant la mer rouge, le Seigneur, Moïse est en train de regarder le Seigneur et dit, mais qu'est-ce que je veux faire? Le Seigneur lui dit, tu auras le bâton avec toi. Tu lèveras le bâton, tu lèveras les mains. Et lorsqu'il lève les mains, lorsqu'il est avec le bâton, la Bible dit que la mer s'est divisée en deux. Amen. Le bâton, c'est le signe de la puissance de Dieu qui est avec nous, qui nous accompagne. Amen. Aujourd'hui, bien aimé, il faut savoir que nous avons la parole de Dieu, qui est cette puissance. Qui nous accompagne partout où nous allons, mes frères, mes soeurs. Nous avons la parole de Dieu. Devant les circonstances qui peuvent arriver, vous avez la puissance de Dieu. Parce que nous négligeons la parole de Dieu. Beaucoup négligent la parole du Seigneur. Beaucoup ne comprennent pas l'importance de la parole du Seigneur. Vous savez, lorsque le Seigneur est tenté par le diable dans Luc chapitre 4, la Bible dit qu'il descend de la montagne. Il a fait 40 jours de jeûne et de prière. À peine qu'il arrive, l'ennemi vient le tenter. Il commence à lui dire, il est écrit que si tu te jettes du haut de cette montagne, il va envoyer ses anges pour te prendre. Il est écrit. Mais le Seigneur avait la parole. Il a dû, bien aimé, commencer à proclamer la parole devant l'ennemi. Et la Bible dit que le diable lui-même s'est retiré. Parce que la parole s'accompagnait, bien aimé, de ce, quand le diable disait quelque chose, la parole du Seigneur était sortie. Aujourd'hui, mes frères, mes soeurs, apprenez d'abord à avoir cette puissance qu'est la parole de Dieu. Proclamez la parole du Seigneur. Le problème, c'est quoi? C'est que nous ne connaissons pas assez la parole du Seigneur. Et c'est pour ça que vous voyez, il y a des chrétiens qui sont ballottés. On vient vous raconter tout et n'importe quoi. Mais vous oubliez que vous avez la puissance qu'est la parole de Dieu. Apprenez, mes frères, mes soeurs, à utiliser cette parole devant les situations difficiles. Cette parole qui est la puissance. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous devons apprendre d'abord à méditer, à lire, à comprendre la parole. Aujourd'hui, on peut venir vous raconter tout et n'importe quoi. Mais si vous êtes ancré dans la parole, n'allez pas avoir peur. Parce que vous savez en qui vous avez cru. Amen. Et vous connaissez quelle est la parole de Dieu pour votre vie. Vous connaissez quelles contiennent les promesses de Dieu pour votre vie au travers de sa parole. Amen. Le problème, c'est que nous n'avons pas assez de connaissances de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on vient, on nous ballotte, on nous raconte tout et n'importe quoi. Et on est prêt à faire tout et n'importe quoi parce qu'on ne connaît pas la puissance qui est derrière la parole. Oui. Bien aimé, cette parole, quand tu montes pour prier, il y a la parole de Dieu avec toi. Amen. Et prie en fonction de la parole du Seigneur. Amen. Ne fais pas des prières, bien aimé, imaginatives, qui n'ont ni sens ni queue. Non, fais les prières en fonction de la parole. Seigneur, tu as dit. Oui. Alléluia. Amen. Seigneur, tu as dit. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit sur toi? Alléluia. Je serai la tête, non? Commence à proclamer. Tu as dit, vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Proclame, bien aimé, ce n'est pas ta parole, mais c'est la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Je ne viens pas te recommencer à te raconter, non, donne 7 fois, 7 fois, 20 ans. Ça, ce n'est pas dans la parole de Dieu. Moi, je te donne la parole pure. Amen. Quand tu dis la parole de Dieu sur ta situation, mon frère, ma soeur, tu as une situation difficile à la maison, tu as un enfant qui est malade, tu as un enfant qui est incrédule. Quand tu dis la parole, Seigneur, tu dis dans Actes chapitre 16, verset 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. Je proclame. Amen. Apprends à proclamer la parole de Dieu. Amen. Dans les combats. Apprends à utiliser la parole du Seigneur. Cette parole, elle est vraie. Expérimente la parole. Vis la parole. Marche dans la parole. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen.
Le problème, c'est que bien aimé, nous n'expérimentons pas la parole parce que nous ne la connaissons pas. Nous en sommes encore comme les enfants qui veulent le lait. Alléluia. Quelqu'un va venir te dire, mon frère, ma soeur, pour ta situation, tu dois prendre deux cures d'eau salée. Mais totalement. Que tu es ignorant de la puissance de la parole de Dieu. Tu vas commencer à les prendre de l'eau salée. Vous savez, il y a des choses que nous voyons aujourd'hui dans les réseaux sociaux qui me sidèrent. Je dis, Seigneur, mais comment les gens sont tellement dans l'ignorance? La Bible dit que mon peuple périt par l'ignorance. Vous comprenez? Il y a de l'ignorance. Nous avons la puissance de la parole. Nous avons, bien aimé, ce qui nous donne la force d'aller de l'avant, c'est la parole de Dieu. Et Moïse avait ce bâton qui était avec lui. Pour revenir à notre histoire, Moïse a pris les trois personnes. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'on avait besoin de constituer une équipe. C'est ça, je parle de la force de l'unité. Moïse n'est pas allé seul. Parce que c'est lui qui avait parlé avec le Seigneur. C'est à lui que Dieu avait parlé pour pouvoir libérer les enfants d'Israël. Mais Dieu ne l'a pas envoyé seul. On a besoin, bien aimé, des autres dans la vie chrétienne. Amen. On ne peut pas prendre une vie chrétienne en solo, ça ne se vit pas. Amen. Non, mes frères, mes soeurs, on a besoin de l'autre. Amen. Amen. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent mener leur vie chrétienne en solo. Non. Non, non. Tu as besoin d'avoir l'autre à côté de toi pour te soutenir. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui est fort soutient celui qui est faible. Amen. C'est important. Vous avez des chrétiens qui ont leurs problèmes, leurs difficultés. Il est seul. Il est en train de souffrir seul. Mais nous sommes d'abord des enfants de Dieu. Et tous, bien-aimés, on doit aller au ciel. Et tous, on doit se soutenir. Amen. Même le Seigneur Jésus-Christ lui-même, avant d'être arrêté, il prend les disciples, il va avec nous à Gethsemane, n'est-ce pas? Il prend Pierre, il prend les deux fils de Zébédée. Si vous regardez dans Matthieu 26, à Matthieu 27, 36. Il va préparer le combat. Mais il prend les autres pour l'accompagner. Il dit, j'ai besoin de vous, assistez-moi, accompagnez-moi. Lorsque je vois la montée du Seigneur à Gethsemane pour prier, lorsque je vois Pierre et les deux fils de Zébédée, c'est la même chose que Moïse. Parce qu'il avait besoin d'avoir des gens pour l'assister. Et vous savez, quand le Seigneur descend, il dit aux disciples, il dit aux trois, attendez, moi j'avance. Il revient, il leur dit, mais vous dormez déjà, veillez, priez. La chair est faible, c'est vrai, mais veillez et priez. Mais il disait qu'il avait besoin d'eux. Alléluia. Veillons et prions ensemble. Soyons unis. Combattons ensemble. Parce que, bien aimé, le Seigneur a besoin de chacun d'entre nous. Et les jours à venir, la gloire de Dieu descend sur chacun d'entre nous. On a besoin d'être unis. Alléluia. L'importance de l'unité. L'importance d'être ensemble. Et de se soutenir mutuellement. Lorsque tu vois que ton frère, ta soeur a un problème, va le soutenir. Va l'encourager. Ne sois pas celui qui tue la foi des autres. Parce qu'aujourd'hui dans les églises, nous sommes des tueurs de foi. Alléluia. Combien de gens avons-nous pas tué leur foi à cause simplement de notre manière de faire? Tu sens, tu entends que ton frère a un problème. Au lieu d'aller l'encourager, d'aller prier avec, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à chercher la cause et tu commences même à l'incriminer. Combien de gens dans les églises n'avons-nous pas perdu à cause de notre manière de faire? Ce que je vous dis est vrai. Alléluia. Amen. Nous sommes ensemble. La Bible dit, sachez, il faut savoir que les mêmes combats sont imposés à vos frères qui sont dans le monde entier. Amen. Amen. Le but de la vie chrétienne, bien aimé, c'est d'abord vivre en unité. Amen. Vous savez, quand le Seigneur Jésus, avant de monter au ciel, il dit aux disciples, allez-y, soyez ensemble, unis. Parce que là, il devait déverser sa gloire. Ils sont en partie de leur unité. Que le Saint-Esprit est venu et que les disciples ont proclamé l'évangile. Mais le Saint-Esprit ne va pas venir sur eux tant qu'ils étaient divisés. Non. Non. Le Seigneur dit même un royaume divisé ne peut subsister. C'est la vérité. Un royaume divisé ne peut subsister. Regardez dans Matthieu, Marc, chapitre 3, verset 24. Combien aujourd'hui le royaume de Dieu est divisé? Alléluia. S'il y a des gens qui des fois savent défendre leur cause, ce sont nos frères musulmans. Ah, bon, maintenant, on n'allait pas dire que je suis devenu musulman. J'ai dit simplement que quand ils doivent défendre leur cause, regardez quand la Palestine est attaquée, vous allez voir ceux de l'Égypte, ceux de tel, tout le monde, parce qu'ils défendent la cause.
Mais s'il y a des gens qui ne savent pas défendre la cause de l'évangile, ce sont les chrétiens. Ce que je vous dis, c'est pas vrai. Les chrétiens ne défendent pas la cause de l'évangile. Les chrétiens sont les premiers qui tuent l'évangile. Excusez-moi. On appelle que le frère Eric a commis une erreur. C'est seulement les chrétiens de l'église, les frères Eric qui vont l'attaquer. Ce que je dis est vrai. Et bien vous savez pas que quand vous êtes en train d'attaquer là, mais c'est vous-même. C'est l'arbre sur lequel vous êtes assis. Parce que moi je dis aux gens, quand les gens se moquent de moi, mais c'est pas de moi, mais c'est de toi. Parce qu'on dit, mais vous les frères, vous les sœurs, n'est-ce pas, on va dire, mais vous, c'est vous autres. Ce que je dis, c'est pas vrai. Mais on dit, mais c'est vous là. C'est, moi je n'ai aucune raison de commencer à propager les mauvaises nouvelles dans la communauté chrétienne. Oh, tel frère s'est comporté, telle sœur. Quel est mon intérêt de prendre ça et de commencer à envoyer ça même chez les païens? Mais je tue moi-même le message du Seigneur. Je suis en train de couper l'arbre sur lequel je suis assis moi-même. Les chrétiens oublient ça. Dès que je vous dis vrai, les chrétiens, on est tellement divisés, tellement, que des fois on se pose la question, est-ce qu'on va tous aller au ciel? On sera dans le même ciel ou pas? C'est terrible. Alléluia. Bien-aimés, il n'y a qu'un seul ciel où nous devons tous aller. Et nous devons nous battre pour tous aller ensemble. Alléluia. Parce que la Bible dit, nous sommes des sentinelles les uns les autres. Si ton frère là ne va pas au ciel, ne pense pas que tu vas t'en échapper. Parce que maintenant, tu poses la question, mais toi là, qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. Mon objectif, c'est de t'encourager, bien-aimé, à tenir dans le combat. Mon objectif, c'est de te relever. Même quand ça ne va pas, mon objectif, bien-aimé, ce n'est pas de t'enfoncer. Alléluia. Amen. Même le Seigneur Jésus-Christ, quand on est en train de l'amener pour être crucifié, il prend la croix et elle était tellement lourde qu'à un moment donné, il n'arrivait plus à porter. Il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui vienne l'aider à soutenir la croix. Des fois, la croix est lourde. On a besoin de l'encouragement. Qui vous a dit que les pasteurs n'ont pas besoin d'encouragement? Alléluia. Qui vous dit que parce que nous on se tient ici, qu'on est des surhommes? Qui vous dit ça? Vous dites des fois, vous vivez des situations, vous dites, mais Seigneur, mais heureusement que le Seigneur est là avec nous. Mais vous savez combien d'hommes de Dieu ont déjà abandonné l'église? Je me souviens encore de mon frère bishop, un papa qui nous a beaucoup encadré. Il disait ceci, il dit qu'un jour, tellement que dans l'église, il a été tellement malmené, il a dit qu'il arrête. Il est allé, il est allé aux États-Unis. Il dit là, j'abandonne les soins. Personne ne savait. Hein? Il avait gardé dans son cœur, mais il avait fui. Et là, aux États-Unis, dans une grande convention, il y a une parole qui est venue. Vous savez, nous avons mis son pied. Amen. Il dit non, il y a quelqu'un là qui a fui le travail. tu dois être parti. Amen. Alléluia. Mais il est humain. Alléluia. Amen. Il est humain. On doit s'encourager. Amen. On doit se tenir. On a besoin de l'unité pour vivre la victoire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, ouais, permettez-moi, je peux quand même rigoler. Hein? Oh non, il n'y a plus de salle. On va voir. Vous allez voir quoi? Mais s'il n'y a plus de salle, c'est toi et moi. Amen. Mais c'est toi et moi. Parce que moi, c'est pour qu'il y ait de toi et de moi. Et donc, vous savez qu'il y a même des gens qui se réjouissent même. Oh, Rotal, à Nini. Parce que le travail ici n'est pas ni le travail du pasteur, ni de l'ancien, c'est le travail de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, si vous comprenez ces choses, vous allez comprendre que le royaume de Dieu, c'est pour nous tous. Amen. Toi, tu as évangélisé quelqu'un. Écoute-moi bien. Tu as vendu ton église. La personne ne veut jamais aller à l'église. Maintenant, un jour, cette personne se décide d'aller à l'église. Mais toi, parce que tu n'as plus l'église, et la personne vient te dire, est-ce qu'on peut aller à l'église? Dimanche, tu commences à gratter la tête. Parce que tu as honte de dire que tu as fait l'église. Parce que tu as honte de dire que tu n'as plus l'église. Donc, ce n'est pas l'honneur de qui que ce soit de ne pas avoir l'église. Pas cet endroit bien aimé, tous on y bâtit. Tous on a inventé. On en a tous intérêt. Bien aimé, vous avez intérêt à soutenir l'œuvre de Dieu. Il y va pour votre vie d'abord. Je vous dis la vérité. Quand je vois, il y en a qui disent non, j'ai même mon frère, mais c'est toi et Dieu. Est-ce que tu as fait ce que Dieu t'a demandé de faire? Est-ce que tu as fait ce que Dieu t'a demandé de faire? Alors là, je prends un peu le côté pastoral. Une fois, j'appelle un d'entre vous qui s'appelle pasteur. En tout cas,
Je ne reçois plus, moi je ne te reçois plus, qu'est-ce que toi tu donnes? Tu ne reçois plus, moi. Oh non. Qui vous dit que c'est parce que j'écris, je tremble, que c'est ça l'onction du Saint-Esprit? Qui vous dit que c'est parce que les gens s'agitent? Ce que les gens oublient, c'est qu'ici nous venons tous pour donner. Hein? Je ne veux pas seulement être de chrétien, oui, oui. Qu'est-ce que toi tu apportes pour que l'œuvre de Dieu aille? Pose la question à ton voisin, qu'est-ce que tu apportes? Alléluia. Qu'est-ce que tu apportes? Hein? Maintenant, mon frère, ma soeur, ne va pas dire que le pasteur vise quelque chose. Non, je ne vise personne, je t'encourage à te relever. Amen. Alléluia. Parce que tu as besoin, mon frère, ma soeur, que l'église aille de l'avant. Tu as besoin d'être unis pour que nous puissions proclamer l'évangile et que tu puisses voir la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. La Bible dit, pendant que vous habitez vos maisons, bien aimé, vos maisons là remplissées, la maison de l'Éternel est en train d'être détruite. Fais attention. Il y a des gens où leur sort est lié à celui de l'œuvre de Dieu. C'est ça. Nous sommes ici, moi là je sais que mon sort est. Donc si moi l'église de Dieu ça ne va pas, moi ça n'ira pas. Bien aimé, parce que mon sort est lié à le Seigneur est tellement bon. Il dit, ok, toi tu veux t'occuper de tes histoires, je vais te montrer. Il sauve vous. Ce que tu fais, ça ne marche pas. Il revient d'abord. Alléluia. Mon frère, peut-être que tu tournes en rond. Ma soeur, reviens dans l'œuvre de l'Éternel. Reviens là. Viens servir ton Dieu. Il a besoin de toi. L'Église a besoin de tes talents, de tes capacités. Et le Seigneur veut t'utiliser parce qu'il y a encore de choses avec toi qu'il va accomplir. Est-ce que tu me suis? Amen. Non, je vous dis ça. Ce n'était pas prévu. C'est le Saint-Esprit qui le dit. Amen. Donc, si tu te sens visé, c'est que le Saint-Esprit qui te parle. Il n'a pas dit non, parce qu'il n'a pas dit le mot de mon côté, mais je te dis ça pour ton bien. On a besoin de toi, le Seigneur a besoin de toi, mon frère. On a besoin de cette unité pour voir la gloire de Dieu. C'est comme, bien aimé, dans un vélo. Vous savez, dans le vélo, il y a la chaîne. Hein? Toi, il y a un maillot qui manque, ça n'avance pas. Donc, ton importance est là. Amen. D'où ma joie de voir beaucoup d'entre vous ce matin. D'où ma joie de vous revoir encore. De ma joie de vous encourager à retravailler pour le Seigneur. Dans un ministère, dans où vous étiez, travaillez pour Dieu. Faites-le parce que vous aimez le Seigneur. Amen. Moi, si nous allons tout à l'heure sur l'amour, oui, aimez ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Bien aimé, c'est ton église, nous toi intimidons à Zaté. Alléluia. Amen. Tu es chez toi, c'est la maison de ton papa. C'est ça. Il y a un frère qui m'a dit, pasteur, je connais maintenant. J'ai dit, mon frère, mais tu es chez toi. Est-ce que tu parlais chez toi? Tu as maintenant de vous mon autorisation. Tu es chez toi. Alléluia. Amen. S'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que toi et moi, nous sommes égaux devant le Seigneur. Cette maison, c'est la maison de ton papa. Amen. C'est la maison de mon papa. Amen. Alléluia. Personne ne peut t'intimider. Reviens et travaille pour le Seigneur. Je te motive. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un veut commencer à te dire non, commencer à t'attaquer, viens dire, ok, viens nous voir. Nous, on va dire, mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Laisse quelqu'un travailler. C'est la maison de son papa. Amen. Et quand vous êtes ensemble, laisse qu'il t'aille. Alléluia. Amen. Est-ce que quand tu as rangé avec ton Dieu, bah d'abord, dis-moi, quand tu t'es converti, qui t'a besoin de te convertir? Alors, pourquoi tu viens rentrer dans ta foi? Toi, tu laisses quelqu'un rentrer dans ta foi, t'as empêché de servir Dieu, pourquoi? Ne permets pas à quelqu'un de venir rentrer dans ta relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu, c'est toi et Dieu. Alléluia. Amen. Ce sont des choses que je ne peux pas cacher. Je dois vous dire parce que je vous aime. Amen. Vous savez, nous, quand même, pour le Seigneur, Dieu, vous pouvez le faire. Je crois que ça fait pratiquement 36 ans que je travaille pour le Seigneur et beaucoup d'entre nous aussi. Et dans l'œuvre de Dieu, on en voit de toutes les choses. Mais parce que nous connaissons, bien aimé, l'appel qui s'attache à cela. Amen. Nous connaissons l'appel. Connais l'appel qui s'attache à ce que Dieu te demande de faire. Amen. Apprends cela. Amen. Amen. L'unité. Moïse est allé avec Aaron et Hur. Vous allez voir que chacun avait un rôle. Josué n'était pas avec eux. Josué avait un rôle. Dans l'œuvre du Seigneur, bien-aimé, chacun a un rôle à jouer. Amen. Alléluia. Amen. Chacun a un rôle. Personne ne doit te mépriser. Vous savez, c'est pour cela que l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée qu'on ne méprise pas ta jeunesse. Amen. Personne ne doit mépriser ce que Dieu te donne. Maman, même si ce que Dieu t'a donné, c'est juste balayer, qu'on ne doit pas te mépriser. Amen. Parce que le Seigneur en a besoin. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas là, bien-aimé, peux-tu te rendre compte qu'il y a un problème? Chacun a un rôle. Chacun doit jouer quelque chose. Mais maintenant, si tu ne sais pas quel est ton rôle,
que le Seigneur te donne la révélation. Parce qu'aujourd'hui, chacun va s'engager à travers le Seigneur pour le Seigneur. Et ceux qui étaient fatigués, aujourd'hui, vous allez encore être reboostés pour vous engager à nouveau à travers pour le Seigneur. Alléluia. Parce que, bien aimé, tu dois aller au ciel. Mais avant d'aller au ciel, tu dois vivre la bénédiction du Seigneur sur la terre. La bénédiction de l'Éternel sur la terre. Bien aimé, comme je l'ai dit, si quelqu'un mon père, si quelqu'un m'honore, me sert, mon père, hein, m'honorera. Jean chapitre 12, verset 26. Sire le Seigneur. Amen. Moïse est là. Et j'aime beaucoup la manière de prier. Il est en train de prier avec. Il est en train d'aller avec Aaron et Hur. La Bible nous donne une précision. La Bible nous dit. Pendant qu'il levait ses mains, il y a une scène. Moïse se fatigue. Ah, bon, même Moïse aussi se fatigue. En fait, Moïse était long. Moïse dans un moto. Alléluia. Et il n'y a pas de surhomme sur la terre. Comme je vous parlais de vos pasteurs, je vous parle parce qu'il n'y a pas de surhomme. Alléluia. Moïse se fatigue. Il est arrivé à Moïse de se fatiguer. Vous savez, un jour dans la Bible, j'aime beaucoup cette histoire. Élie devant les prophètes de Baal. Élie manifeste la gloire de Dieu. Le feu tombe et consume le sacrifice. On dit, on proclame que seul le Dieu de Élie soit le Dieu sur tout Israël. Élie marche. C'est-à-dire qu'il est en train de marcher. Vous savez, quand vous venez de remporter la victoire, hein? Donc devant les 450 prophètes de Baal, à starter 400, il y a plus de 900 prophètes, il marche, il était le seul. Et là, il a la victoire. Amen. Tout le monde a dit que le Dieu d'Élie, c'est le seul Dieu. Mmh. Quelle gloire! Alléluia! Amen. Quelle gloire! Mais laissez-moi vous dire, autant la gloire est élevée, autant, bien aimé, les difficultés arrivent. Autant tu t'élèves avec le Seigneur, autant tu t'attends à ce que la foudre aussi vienne de l'autre côté. Autant, vous savez, tu es en train. Quand vous avez une tour qui est élevée, hein, tout le monde la voit, n'est-ce pas? Quand tu as une petite maison, beaucoup de gens ne voient pas, à part tes voisins. Mais quand tu as une grande tour, tout le monde te voit, n'est-ce pas? Et toi, tu penses qu'autour de toi, d'abord, l'ennemi est content de te voir être élevé. Tu penses que l'ennemi est content de voir que dans ta vie, tu es en train d'avancer. Tu penses que l'ennemi est content de voir que dans ta famille, tu es en train de briller. Tu penses que l'ennemi est voir que dans ton ministère, tu es en train d'aller de l'avant. Tu penses cela. Non! L'ennemi de nos âmes ne te laissera jamais, jamais tranquille. Alléluia. Élie a été tellement propulsé très loin. Mais regardez ce qui arrive. Jézabel, la femme du roi Acab, apprend que Élie a fait exterminer les prophètes. Elle lui annonce un message. Elle dit, demain, sache que si je n'ai pas ta tête là, en tout cas, moi, je suis plus la femme du roi. Le message arrive dans les oreilles d'Élie. Vous savez ce qui s'est passé? Élie a fui. Élie n'a pas eu peur. Les prophètes d'Astarté et de Baal, tout ça. Mais Élie a fui devant les paroles de la femme de Jézabel. Vous pensez qu'on est avec moi si un roi? Bon, entre parenthèses, des fois il faut faire attention avec qui tu veux faire le combat. Il y a des personnes qu'on n'attaque pas parce que si elle te donne une parole de menace, ça peut retentir. Hein? La femme du roi, elle t'envoie un message. Donc, message spécial envoyé par Élie, par la femme du roi. Bon, non, ici, nous sommes dans la démocratie. Ainsi, même si tu dis quelque chose, la reine ne va pas t'envoyer de message parce qu'ici tout est. Mais dans certains pays, vous avez un problème là, maman présidente, au Koyeba. Vous avez un problème là, président, au Koyeba. Certains pays africains, hey, on envoie un message. Élie fuit. Et Élie même fuit. Pire encore, c'est après l'épisode de la pluie miraculeuse. Hein. Il a prié, la pluie est descendue. Et Élie arrive à un endroit. C'est là où je voulais vous dire que c'est un homme. Elle nous dit qu'Élie est fatigué. Élie craque. Élie fait une dépression. Vous connaissez la suite? Il demande la mort. Ah! Moi, je dis, frère Élie, frère, toi qui étais dans ta gloire, mon frère, tu viens demander la mort. Imaginez-vous, si les enfants d'Israël,
à qui Élie avait manifesté la gloire de Dieu, avait appris qu'Élie avait demandé la mort. Mais elle ne va pas moi. Vous entendez non, le pasteur Ali, il a dit non, il veut mourir. Ah, papa. Mais il y a peut-être un chauffe froid. Mais quoi là? Mais il est homme. Il est arrivé devant des situations difficiles. Et c'est là où je voulais vous en venir. Il était fatigué. Et pour ça, la Bible dit, priez pour ceux qui vous dirigent. Priez pour eux, ne les négligez pas. Amen. Priez pour l'ancien Eric. Priez pour Pasteur Takas, Pasteur Patrick, tout, tout. Priez, ne négligez pas. On n'est pas des surhommes. Priez pour moi, on n'est pas des surhommes. Il y en a qui comprennent, on n'est pas des surhommes. On est des humains. Comme oui. Toujours ma jumelle. On a des familles, oui. Et on dit, oh, tu viens, tu me critiques. Mais tu veux que j'ai une épouse, j'ai des enfants. Tu oublies ça. Donc vous pensez que non, nous on est là, on regarde. Parce que si on n'était pas des humains, des hommes spirituels, mais si j'ai l'occasion, je veux aussi t'attaquer. Je suis un homme. Vous comprenez? Ce qui nous retient ici, c'est simplement la chrétienté, la spiritualité. Mais des fois, tu dis, oulala, c'est un peu de trop. Les gens disent, calme-moi. Tu dois en savoir supporter. Parce que Jésus-Christ, même il a supporté au-delà. Jésus n'a rien fait. On l'a insulté, on l'a dit, tu dois, tu veux servir le Seigneur, apprends cela. Le compte du Seigneur, c'est ça. C'est le compte que tu dois apprendre à supporter au-delà même de ce que tu ne peux pas supporter, oui. Alléluia. Amen. Non, je ne suis pas en train de défendre qui que ce soit. Je vous mets simplement en garde. Les hommes là que vous voyez, ce sont des hommes. Alléluia. Élie était fatigué, mais heureusement que le Seigneur est venu avec son il a envoyé l'ange. Et le Seigneur est venu lui donner la nourriture pour continuer. Il a encore accompli de grandes choses. Il devait consacrer Élisée. Et le Seigneur a continué. Mais ici pour Moïse, la même chose. Moïse est fatigué. Mais ici, c'est qui est encore pire. Vous allez voir quand il se fatigue. On dit qu'on prend une pierre, on le met sur lui, il s'assit. Mais, tellement qu'il était fatigué, il baisse les bras. Comment c'est la conséquence? Quand il baisse les bras, la Bible dit que les enfants d'Israël étaient en train de... Alléluia. Il y va de l'intérêt de l'Église, que les hommes de Dieu soient forts. Je vous dis la vérité. Parce que quand les hommes de Dieu sont faibles, même sur votre vie spirituelle, pour avoir un impact, qui va prier pour vous? Dites-moi. Qui va prier pour vous? Quand ça ne va pas là, qui va commencer? Si moi, nous tous on dit, ok, nous on est fatigué, on ne peut plus servir Dieu. Quand il y a un problème, vous allez voir qui? Qui connaît vos vies? Vous comprenez? On avait besoin d'avoir, d'encourager vos serviteurs qui sont là et de prier pour eux. Si on vous dit, bien aimé, il n'y a pas de secret. C'est ça, le secret de la victoire, la prière. Et ici, la Bible dit que lorsqu'il était fatigué, il a baissé les bras. Le peuple d'Israël, Jésus est en train de perdre sur le terrain de combat. Mais ce qui est bien aimé, Aaron et Hur sont venus. Ils ont levé les bras de Moïse. Non, tu ne peux pas abandonner. Tu dois continuer, papa, on a besoin de toi. Ah, ça a boosté Moïse. Ah, juste à cause de ce que je vois, je ne peux pas abandonner. Ils l'ont soutenu, ils ont commencé à prier, commencé à parler au Seigneur. La Bible dit que lorsque les mains étaient levées, Josué était en train de marquer des pas de victoire pour démontrer que l'unité nous amènera dans la victoire. Alléluia. Bien-aimé, tant que nous sommes unis, l'ennemi ne trouvera pas d'occasion. Ne laissons pas d'occasion à l'ennemi. Tant que l'église est unie, bien-aimé, il peut monter, descendre. On va marquer des pas. Amen. Amen. Le diable pensait qu'il allait tuer l'église des messagers. Mais amico aussi. Parce que nous sommes une église famille. Amen. Quand le Seigneur m'a parlé, il m'a parlé sur l'église clairement. L'ennemi a mis aussi des portes. Amen. Tant que nous serons là, bien aimé, on peut monter, descendre, il n'y aura pas de division. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et comme nous repérons cela, nous savons où se trouve, bien aimé, notre victoire, c'est dans ma bombe de lit. Amen. Dans la prière, c'est là que nous allons vaincre. Gloire à Dieu. Alléluia. L'ennemi, il ne peut pas accepter que l'ordre de Dieu est de l'avant. Parce que pour cette église, il y a une grande promesse. Amen. Je vous dis la vérité. Mais lui, il ne peut pas accepter. Il doit empêcher. Vous savez combien d'âmes on doit gagner pour le Seigneur? Vous savez combien d'âmes qui doivent encore venir ici? Mais si nous nous arrêtons pour de route, et toutes ces âmes,
Est-ce que nous nous rendons compte? Nous devons rester unis. Mais prier. Mais aussi, quelle prière? C'est là que je veux en venir. Il y a prière et prière. En fonction des circonstances, il y a prière et prière. Bien aimé, il y a des moments où tu fais ton adoration, je suis d'accord. Mais il y a des moments, mon frère, tu as l'adoration. Je ne dis pas d'abandonner puis adorer. Oui, l'adoration, c'est à tout moment. Ta vie est une adoration. Mais il y a des moments où tu t'élèves. Tu dis non, cette histoire-là. Je vois que là, ce n'est plus possible. Elle commence à. Mets-toi debout. Dis, ce n'est pas normal. Il y a des choses dans ta vie, tu ne dois pas accepter, mon frère. Il y a des choses dans ta vie, ma soeur, tu ne dois pas accepter. Commence à prendre l'autorité, commence à prier. Commence, alléluia. S'il faut que tu jeûnes, tu jeûnes. Aujourd'hui, nous sommes les chrétiens. Comme les chrétiens qui aiment le confort, qui ne veulent pas les sacrifices. L'œuvre de Dieu, c'est une œuvre qui va avec le sacrifice. Et laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que sans sacrifice, il n'y aura pas de succès. Pourquoi Jésus a accompli des pas de victoire? Parce que Jésus savait se sacrifier et aller à la montagne et penser à un temps de prière. Il y a prière et prière. Alléluia. Une église, je ne prie pas, c'est une église, tu vas mourir. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est une œuvre spirituelle. Si dans ta vie, tu ne pries pas, mon frère, ma soeur, tu es exposé. Donc, tu vois un chrétien qui était spirituel, mais du jour au lendemain, la personne, tu ne comprends plus, c'est parce qu'il a abandonné la prière. Amen. Alléluia. Amen. La prière, c'est ça notre force. Amen. C'est ça qui est notre moteur. C'est ça qui nous permet d'aller de l'avant et de marquer des pas de victoire. Amen. Quand tu commences à parler avec quelqu'un, il commence à te donner des explications. T'as la bien. Vie n'est à prière de ses prières. Regarde bien. Alors, ce matin, mon frère, ce matin, ma soeur, tu dois te relever. Il veut dire, lève-toi d'entre les morts et Christ va t'éclairer. Amen. Si dans ta vie de prière, tu dois te relever ce matin, tu dois retrouver ton zèle dans la prière. Amen. Un guerrier, une guerrière dans la prière ce matin. Parce que le Seigneur a encore besoin de toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a prière et prière. Quand on décrète un moment de jeûne et de prière à l'église, ne fuis pas. Viens. Quand bientôt on va décréter la semaine qui va suivre, dans longtemps. Venez prier. C'est ça notre force. Aie toujours le même zèle pour le Seigneur. Des moments difficiles peuvent arriver dans la vie de quelqu'un. C'est normal. Même moi, ça m'arrive. C'est normal, on est humain. Mais laisse-moi te dire que si tu reviens au pied de celui qui est ton maître, il va te donner la force. Amen. Comme Élie va te donner la manger, va te donner la boire. Reviens auprès de l'Éternel. Ne reste pas comme ça. Tu es trop resté par terre, mon frère, ma soeur. Relève-toi, il est temps que tu te remettes debout. Amen. Parce que le Seigneur veut t'utiliser encore puissamment. Amen. Et on te dit la vérité. Alléluia. Amen. Ce n'est pas n'importe quelle prière. La Bible dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe. Même quand tu viens devant le Seigneur, crois que Dieu existe. Hébreux chapitre 11, bien-aimé, verset 6. Tu dois le croire. Le Seigneur dit, tu dois croire. Quand tu pries pour ta situation, tu dois prier, croire. Et laisse-moi te dire que ton Père qui est au ciel est un bon papa. Notre Dieu est un bon papa. Il nous donne ce que nous demandons. Il dit demandez et cela vous sera donné. Alléluia. Le Seigneur est bon. Il dit en toutes choses, faites-vous connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, bien-aimés. Fais connaître vos besoins à Dieu. Prie. Seigneur, moi ça ne va pas. Seigneur, je suis fatigué d'être célibataire. Je suis fatigué d'être chômeur. Je suis fatigué. Parle à ton Dieu. Élie a été vrai. Quand vous réalisez l'histoire d'Élie, quand il était fatigué, il a parlé à son Dieu clairement, sans détour. Au fond, nous nous compliquons. Ce n'est pas parce que tu dis Seigneur Dieu 3 fois 5, Dieu. Non. Ne complique pas Dieu beaucoup de fois. Parle. Tu dois parler à Kimbala, parle à Kimbala. Hein? Parle. Dis, parle à ton papa. Dis-lui des choses vraies. Dis Seigneur, je suis fatigué d'un ennemi. C'est ça. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y en a qui pensent que Dieu n'écoute que les Français. Qui vous a dit ça? Amen. Alléluia. Qui vous a dit ça? Nous connaissons Moïse de là-bas. Là. Hein? Quand il est parlé en Suède, là. Hein? Il évoquait Mungu Wang. Il commence à parler. Quelle onction, quelle gloire. Qui a dit que Dieu n'écoute qu'une langue? Dieu écoute qu'une langue. Parle en Suède. Parle en Kitetela, en Kimongo, en Kingwande, parle, non. Le Seigneur est là, mais prie. Prie et prie. Bondela, mon dimi, bondela. Là, ton voisin, tu lui prie. Prie. Alléluia. Prie. Tu es resté trop par terre, prie.
Le temps de te lever. Bondela. Alléluia. Bondela. Bondela. Alléluia. Les mamans, bon bondela. Priez comme vous n'avez jamais prié. Les papas, bon bondela. Amen. Ne regarde pas les échecs. Parce que les échecs, bien sûr que tu n'as pas, ce ne sont pas des échecs. C'est simplement ce que Dieu a permis pour te pousser plus loin. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché que ça ne marchera plus. Non. Aujourd'hui, le problème, c'est quoi? C'est qu'on a des situations difficiles. Et ces situations nous ont freinés. On est buté à cela. On le focus. Quand tu regardes, tu dis que ça n'a pas marché. Mais mon frère, ce n'est pas parce que ça n'a pas marché une fois que ça ne marchera plus. Amen. Ce n'est pas parce qu'on a prié pour quelqu'un qui était malade, qu'il n'a pas été guéri, que Dieu ne guérit plus. Dieu continue encore à guérir. Mais la Bible dit qu'il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Le Seigneur est au ciel. Il fait ce qu'il veut. Alléluia. Il est le Dieu de gloire. Alors prie et prie. Amen. Amen. Et quand Moïse est en train de prier, il lève les mains. Josué est en train d'avoir la victoire devant un peuple qui a fait l'expérience du terrain. Mais le Seigneur est avec Moïse, Josué et Aaron Hur. La gloire de Dieu l'accompagnait. Laisse-moi te dire que quand le Seigneur est avec toi, on a un Dieu qui n'a jamais échoué. Mon Dieu n'a jamais échoué. Non, bien aimé, même quand les amis de Job sont venus parler à Job pour lui parler, même sa femme dit ce Dieu, elle a dit non, mon Dieu n'a jamais échoué. À la fin, il dit non, Seigneur, mon oreille avait entendu parler. Maintenant, mon œil t'a vu. Parce que le Seigneur Dieu le voit, il n'a jamais échoué. Tu as besoin de voir le Seigneur dans ta vie. Tu as besoin de voir la gloire de Dieu pour que tu vois que ton Dieu n'a jamais échoué. Des fois, quand même, elle a dit non, bien-aimé. Devant quelle situation? Devant chaque situation, il a une parole. Devant la maladie, il est Jéhovah Rapha. Devant la pauvreté, il est Jéhovah Jireh. Devant le combat, il est Jéhovah Nissi. Et bien celui qu'on t'accuse, il est Yahweh Tchikenou. Il est Dieu. Devant chaque situation, il est Dieu. Devant la stérilité, il est celui qui donne les enfants. Alléluia. Devant toute situation, il est Dieu. Tu as besoin de voir la gloire de Dieu. Et je te parle d'un Dieu qui est réel. Tu parles d'un Dieu qui est vivant. Tu parles d'un Dieu qui agit encore aujourd'hui. Si ton Dieu est mort, non. Laissez un peu le mien. Parce que le mien n'est pas mort. Amen. Le mien agit encore. Amen. Le mien, lorsque les choses disent que c'est fini, il dit encore, il y a encore moyen d'espérer. Lorsqu'on a enterré Lazare, tout le monde avait dit que c'était fini. Lorsque le Seigneur arrive, il dit non, Lazare n'est pas mort, il dort. Parce que sachez que ça, cette maladie-là, c'était pour la gloire de Dieu. Même si les hommes veulent t'enterrer, le Seigneur a la capacité de te ressusciter. Parce qu'il a encore un plan avec toi. Alléluia. Quand on vient accuser la femme de la femme adultère, on vient avec elle devant le Seigneur. Les hommes sont en train de la condamner. Le Seigneur lui dit, moi je ne te condamne plus. Parce que j'ai encore une histoire avec toi. Et j'ai l'intention d'écrire une nouvelle histoire dans ta vie. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire ce matin. Même si on t'a condamné par la maladie, même si tu es condamné par la situation, ton Dieu est vivant. Amen. Il va écrire une nouvelle histoire avec toi. Amen. Parce qu'il est réel. Toi-même, bien aimé. Amen. Tu le crois pas, je vais à ta place. Je te dis vrai, mon frère. Mon frère, ma soeur, je dis vrai. Je connais une soeur dans cette église. Un jour, on l'a pris. Cette soeur n'avait pas le titre de ce jour. On l'a mis dans un avion. Je vous dis vrai, vous connaissez même la soeur. Je ne peux même citer son nom, c'est la soeur Sylvie. Elle est en France. Cette soeur, on l'a pris dans l'avion. L'avion a commencé à faire le taxi. L'avion a commencé à faire le taxi. Quand l'avion fait décoller, le décideur est venu d'en haut. On est arrivé pour s'arrêter. On a arrêté l'avion. On a fait sortir la soeur. Aujourd'hui, la soeur. Tu ne connais pas ce Dieu-là. Le Dieu qui est capable de faire stopper l'avion, même qu'il veut décoller à cause de toi. Il te connaît, mon frère, ma soeur. Ce Dieu est capable, si même demain on t'avait projeté de t'expulser, le Seigneur est capable de bien aimer d'amener un corbeau pour toi, pour pouvoir apporter une solution spirituelle. Il est le même Dieu, il n'a pas changé. De quoi ce Dieu-là? Ne limite pas ce Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire, rien ne me fait peur. Parce que je sais qui est ce Dieu. Je sais qui est en moi. Rien ne me fait peur. Amen. Christ en moi l'espérance de la gloire. Si le Seigneur est pour moi, de qui aurais-je peur? Quelle situation aurais-je peur? Les hommes les citent. Mais je sais que j'ai le Seigneur avec moi. J'ai la gloire de Dieu qui m'accompagne. Alléluia. L'Esprit du Seigneur ce matin sur nous, bien-aimés, pour te proclamer, bien-aimés, une année de renouvellement pour ta vie. Une année de grâce pour ta vie. Une année de bénédiction pour ta vie. Parce que le Seigneur a encore une histoire avec toi. Amen. Si les hommes t'avaient condamné, le Seigneur te dit, moi, je ne te condamne pas. Ne va, mais ne pêche.
Ne refais plus les mêmes erreurs. Amen. Va de l'avant. Gloire à Jésus. Tiens bon. Quelle est ta situation? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Le Seigneur te dit, il est là avec toi. Amen. Il va encore écrire une nouvelle histoire. Amen. Ne regarde pas à gauche. Ne regarde pas à droite. Bien-aimé, ne laisse pas la réalité tuer ta foi. Mais laisse la vérité augmenter ta foi. Amen. Parce que la réalité, c'est ce que tu vois. Ce que tu vois, tu dis, mais c'est une réalité. Parce que si les frères, les sœurs, tout le monde qui était là avait vu la réalité, Lazare était mort. Mais quand le Seigneur leur parle, ils disent, regardez la vérité. La vérité, c'est que je suis la résurrection, le chemin, la vie. Et pour toi, le Seigneur est la résurrection. Ce matin, le Seigneur est la résurrection pour toi. Quelle est ta situation? Quel est ton problème? De leur prier. Parce que je sais qui est celui qui m'a envoyé. Je sais qui est ce Dieu-là. Je connais ce Dieu-là. Oh, bien-aimé, je connais ce Dieu-là. Et connais ce Dieu. Connais ce Dieu. Connais ce Dieu. Commence à réaliser la puissance, la grandeur de ton Dieu. Là où tu es, mon frère, ma soeur. Commence à méditer sur ce Dieu qui a besoin de toi. Parce que nous allons prier ce matin. On fera quelques appels ce matin parce que selon que le Seigneur nous conduit. Parce qu'on priera pour certaines personnes ce matin. Mais commence à avoir à prier dans ta vie. Commence à dire, Seigneur, tu me connais. Oui, Seigneur, tu me connais, tu as besoin de moi. Et j'ai besoin de toi. Commence à prier. Oh, il est bon, le Seigneur de gloire. Il veut te faire du bien ce matin. Il veut te faire du bien ce matin. Le Seigneur veut te faire du bien. Parmi nous, la gloire de Dieu est là. Commence à prier pour ta vie. Regarde. Là où tu te trouves. Regarde ce que Dieu t'a demandé de faire. Regarde ce que tu fais. Regarde bien ta vie. Observe ta vie. Observe bien ta vie. Ouvre les yeux spirituels. Commence à regarder. Oh, alléluia. Seigneur, tu as besoin de quelqu'un. Tu descends. Commence à prier. 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 Seigneur de gloire, Dieu véritable, Dieu vivant, Dieu glorieux. Seigneur, merci pour la puissance de ton nom. Glorieux, alléluia. L'Éternel est ton nom, Yahweh. L'Éternel est ton nom, Seigneur. Merci pour ta gloire, Seigneur. Dieu véritable, Dieu vivant, Dieu glorieux. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Oh Seigneur de gloire, tu es Dieu véritable. Seigneur, merci. Parce que tu es celui qui nous parle. Tu es celui qui nous parle, Seigneur. Tu es celui qui nous parle, Seigneur. Tu es celui qui nous parle. Merci de le dégager la prospère de ce Dieu. Oh Seigneur de gloire. Merci pour la prospère que tu dégages. Oh Yahweh, Yahweh. Toi, tu es un Dieu véritable. Seigneur de gloire. Merci Saint-Esprit d'agir parmi nous. Le Saint-Esprit de Dieu est là 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 parmi nous. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance. Il est là parmi nous. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta gloire. Oh l'Esprit de vie, merci pour ta gloire, Seigneur. Merci d'agir parmi nous. Oh, alléluia. Tu es l'Esprit de Dieu. Tu es l'Esprit de vie, l'Esprit de vérité. Merci pour ta gloire. Saint-Esprit, tu agis parmi nous. Merci parce que tu agis parmi nous. Saint-Esprit, tu agis parmi nous. Saint-Esprit, tu agis parmi nous. Saint-Esprit, tu agis parmi nous. Merci pour ta gloire. Il est parmi nous. Il est l'Esprit de Dieu. Il est là. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Oh, mon Dieu. De ta voix, 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 de
Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Père, tu es un Dieu tout-puissant. Tu es un Dieu capable, Papa. Devant toi, aucune maladie ne peut tenir, Seigneur. Devant toi, Seigneur, aucune maladie ne peut tenir, Dieu de gloire. Je prie maintenant que tes enfants soient guéris. Que tu puisses étendre ta main en puissance. Et tente ta main, Seigneur. Pour guérir, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, que ceux qui sont malades, ils s'approchent vers les anciens qui puissent en sauver. Et tente ta main, Père éternel. Nous voulons que soit manifesté la paix des enfants, Père éternel. Au nom de Jésus, nous le roi de gloire. Que la guérison totale, Père éternel, soit manifestée. Au nom de Jésus. Que ce soit des maladies, que ce soit véritablement des maladies, que ce soit guéri, nous disons non, puissons aussi, la puissance de Dieu, Seigneur, que la guérison de Dieu, nous sommes la puissance de Seigneur, qui est écrit dans ta parole, Seigneur, nous sommes la puissance de la maladie, nous sommes guéri, Jésus-Christ, le roi de gloire, soyez guéri maintenant. Qu'il appelle les anciens qui seront pour lui. Alléluia. C'est par la foi, Seigneur, que nous prions. Alléluia. Amen. Par la foi, nous croyons, Seigneur, amen, que toi, le Dieu véritable, amen, tu es là. Amen. Tu guéris les malades, Seigneur. Alléluia. Aucune maladie ne peut tenir devant toi, amen, je m'en rappelle. Au nom de Jésus-Christ, le roi de gloire. Oh Yahweh, Yahweh. Nous voulons proclamer la guérison sur mes bien-aimés. Alléluia. Ceux qui sont ici, qui ne sont pas là, Papa. Alléluia. Tu n'as pas changé. Alléluia. Le Dieu véritable. Tu n'as pas changé. Oh Seigneur de gloire. Au Père un miracle. Merci. Dans les yeux fermés pendant que le pasteur Dakas prie pour les malades. Ô Père éternel et Dieu tout-puissant, Père éternel, Seigneur, viens confirmer ta parole, Seigneur, la vie de tes enfants, Père éternel. Seigneur, viens manifester ta grandeur, Seigneur. Viens manifester, Seigneur, ta puissance, Père éternel. Tu es le Dieu qui agit, Père éternel. Il est écrit dans ta parole, Seigneur. Nous prierons, Seigneur, pour les malades. En ton nom, Seigneur, ils seront guéris, Père éternel. Viens guérir ton peuple, Père éternel, pour la gloire de ton nom. Viens guérir ton peuple, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Seigneur, j'ordonne, Père éternel, que tes enfants, Seigneur, soient libérés. Que tes enfants soient libérés. Que tes enfants soient libérés. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Maladie, quitte. Libère les enfants de Dieu pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Libère les enfants de Dieu pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, viens confirmer ta parole dans la vie de ma soeur. Viens confirmer ta parole dans la vie de mon frère, Père éternel. Oh Seigneur, tu es puissant. Guéris au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Guéris au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Il est écrit, Père éternel, tu es fidèle. Nous croyons, Seigneur, au nom de la croix, Seigneur Jésus. Viens manifester ta grandeur. Viens manifester ta puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que ton peuple soit guéri. Que ton peuple soit guéri. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Quelle que soit la maladie. Je déclare au nom de Jésus, tu es libre. Amen. Je déclare au nom de Jésus, tu es libre. Je déclare au nom de Jésus, tu es libre. Je déclare au nom de Jésus, tu es guéri. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, je sens ta présence et je sens ta puissance. La puissance de la libération, Père éternel. La puissance qui délivre, Seigneur. La puissance qui libère, Père éternel. Libère ton peuple, Seigneur. Afin que ton peuple puisse témoigner ta gloire. Merci Seigneur parce que tu nous as bénis à travers cette parole. Bénis encore ton esprit, ma Seigneur.
bénir encore ton serviteur, Seigneur, qui était une canal de bénédiction pour nous, Père éternel. Oh Seigneur, merci Papa parce que tu es présent. Merci Seigneur parce que tu vas accomplir des grandes choses dans cette église, Père éternel. Seigneur, merci parce que tu vas encore élever cette église, Père éternel. Je crois, Seigneur, à ta parole. Et je crois à ta grandeur, Seigneur. Sois béni parmi nous. Au nom de Jésus-Christ, Nazareth, nous sommes priés. On a encore les yeux fermés. Merci pour ceux qui étaient. Les calmaris peuvent s'asseoir. On va prier. Je ne sais pas quelle est votre situation, quel est votre problème. Mais le Seigneur est celui qui a toujours un nom devant une situation. Il a un nom puissant et glorieux. Il n'y a aucun nom qui peut se comparer à ce nom-là. Je ne sais pas quel est ton problème. Mais par la foi, nous allons prier. Alléluia. Tu vas demander à toute l'église. Debout, nous allons prier. Tu vas prier pour ton problème et nous allons prier avec les serviteurs du Seigneur. Nous allons accorder nos prières par la foi pour demander au Seigneur d'intervenir dans ta situation. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as besoin. Le Seigneur nous dit demander et cela vous sera donné. Alléluia. Nous allons prier ensemble. Et après ça, le pasteur va prier pour cela. Priez, soumettons au Seigneur votre problème. Dites au Seigneur d'intervenir. Dites au Seigneur, parle au Seigneur. Oh Yahweh, merci. Seigneur, merci de pouvoir exaucer la prière de mon frère, de ma soeur. Seigneur, tu es celui qui agit encore. Tu es le bon, tu n'es pas mort, papa. Tu es un Dieu réel, papa. Tu es un Dieu vivant, Seigneur. Secours, nous te bénissons, Jésus. Bénis, Papa.
La bénédiction c'est toi, Jésus. Bénis l'église. Manifeste ta gloire, mon Jésus. Restaure l'église. Nous nous attendons à la prédication de l'homme de Dieu, au message que tu as envoyé à l'homme de Dieu, pasteur Ami. Nous te bénissons, mon Jésus. Restaure nos vies. Restaure l'église. Nous savons que cette église a une mission. Alléluia. Cette église a une mission d'évangéliser, d'apporter l'évangile, d'apporter des solutions. Mais l'église, c'est nous, les personnes qui composent l'église. Et si nous marchons avec toi, si nous sommes avec toi, on verra des choses. Bénis l'église, bénis les enfants de l'église, bénis les parents de l'église, bénis chaque personne de l'église. Bénis, papa. Même tous ceux qui nous regardent, les membres de cette église qui sont au loin, bénis-les. Béni papa, manifeste ta gloire mon Jésus. Pambola, Pessa Makassi, Sungata, fortifie l'église. Tolingi, Molimo, la prière, Ezon, Makassi, l'église. Amen. Ezon, Makassi, Kobandala, Nicolo, Tinase, Kobandala, Sek, Nicolo, Bison, Nyon, Sonsam. Molimo, la prière, Ezon, Makassi. Napoko, Alelo, Zam. Napoko, Alelo. On nous a côté ska, on nous a bien, ça a impacté la message à nous. Ça a impacté la vie à prière. Merci. Nous te bénissons, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle et bon. Et tu écoutes nos prières. Et que la gloire te revienne. À toi, le Dieu qui règne l'éternité en éternité. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus que nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons passer au moment des offrandes. Les paniers qui vont passer vont se lever. Nous allons demander à l'ancien Eric, s'il vous plaît, de prier pour les offrandes. Et nous allons donner dans la maison du Seigneur avec joie. Seigneur. Aussi par cette reconnaissance au moyen de nos offrandes, de nos dîmes, de libéralité que nous avons apportées pour ta maison, Seigneur notre Dieu, pour le soutien, Seigneur, des activités de ton église. Puisses-tu, Seigneur notre Dieu, bénir tout un chacun qui va, Seigneur, participer à ces moments, Seigneur, de communion, que ce soit au moyen numérique, Seigneur, digital, par le paiement, Seigneur notre Dieu, directement sur le compte, ainsi que ceux qui mettront la main dans leur poche pour donner dans ton église, Seigneur notre Dieu. Souviens-toi de tout un chacun, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur notre Dieu, que tu puisses les bénir au centuple et bénir toute ton église afin que cet argent puisse servir à l'avancement de ton royaume, de ton œuvre, au nom de Jésus. Thank you.
sais qu'on n'a plus l'habitude. Allez, il y en a qui disent maintenant qu'elle est mobile money. Et on pouvait faire votre virement, votre apporter dans la maison du Seigneur, faites un transfert. Et nous prions pour que d'ici là, on puisse avoir l'appareil aussi pour que les gens qui veulent donner, qui n'ont pas de liquide, puissent donner directement en faisant un transfert mobile. Nous sommes dans le monde des nouvelles technologies et on évolue avec. Bon, attention parce que bientôt ça s'agit le front. On en arrive là, on commence à payer regardant, on te localise et là on va dans tes données bancaires. C'est terrible, non? Mais cette technologie est déjà mise en place. On nous apprend ça. Donc, le Christ est en train de revenir. Amen. Est-ce qu'il y a de nouveau parmi nous, de nouvelles personnes? Voilà, il n'y a pas de nouveau. J'ai l'impression que tout le monde est ancien. Alors, nous avons comme publication, comme mission de faire quoi? D'aller évangéliser. Appeler ceux qui ne sont pas là. Soutenir. Amen. Un frère et une soeur, qui vous vient en tête? Vous appelez, dites mon frère, ma soeur, viens, on va prier, viens. Ici, on n'a plus de problème de parking, il y a de la place. Amen. Nous voulons tous ensemble nous retrouver. Mais je suis content de voir certaines personnes. Maman Clarisse, particulièrement, ça fait longtemps. Je crois que c'est une que je n'ai pas vu depuis le confinement. Maman, j'aime, je t'ai vu, toi, je suis content de passer quelque part. Mais le reste, je comprends. Maman, Odile, elle, c'est toujours sur le Zoom, fidèle à l'intercession. Et tous ceux qui sont là, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous disons ceci, l'Église ne tient que parce qu'il y a la prière. Amen. C'est pour ça que nous maintenons le programme de prière. Venez prier, s'il vous plaît. Ce matin, on était déjà là à 9h avec ceux qui aiment la prière. Il n'y a pas de victoire sans la prière. Amen. Mon frère, ma soeur, tu ne verras pas de grandes choses si tu n'as pas vu de prière. Moi, je t'encourage, aime la prière. Aime la prière. Ne fuis pas la prière. Ne regarde pas les novellas et toutes ces histoires-là. Ça ne t'apportera pas de solution. Amen. Le Seigneur donne la victoire. Je peux quand même dire quelque chose. Hier soir, juste, on peut pas rigoler, non? Il y a eu un combat de boxe entre deux Congolais en France. Qui a appelé qui sort là? Il y a un Congolais de Kin, un qui est français, d'origine congolaise. Alors, celui de Kin là, quelqu'un m'a envoyé une vidéo en train de danser, en train de faire ce foufou, en train de chanter. Alors il m'envoie un message, il dit, mais il va perdre. Ah! Moi je dis, pourquoi il va perdre parce qu'il danse et moi j'ai foufou. On verra. Mais c'est lui qui l'a gagné. Mais c'est pas ça, c'est pas le fait d'avoir gagné. Le fait pour moi, je vous dis ça parce que quand les journalistes sont venus lui poser la question, il a dit, je remercie d'abord mon Dieu, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il a d'abord remercié le Seigneur. Parce que je crois qu'il a préparé son combat dans la prière. Oui, je crois, parce que tout le temps il disait que non, Dieu est avec lui. Ouais, même dans les petites choses comme ça, dans le sport, il a donné, parce que tous les sondages donnaient le français, l'origine congolaise, comme vainqueur, parce que c'était un champion olympique. L'autre il était 14e. Mais il a gagné. Il a vraiment gagné. Il a même le tête par terre. Mais le Seigneur te donne la victoire. Donc pour te dire ceci, il y a des combats dans ta vie. Si tu associes le Seigneur, tu auras des victoires. Mais c'est dans la prière. Amen. C'est juste pour vous motiver. Vous n'allez pas maintenant dire non, mon enfant va aller faire la boxe. Je n'ai pas dit ça. Voilà, donc venez prier. Donc demain lundi, nous sommes là, s'il vous plaît, à 18h. Priez. Et nous sommes en jeûne pour ceux qui peuvent le faire. Nous vous encourageons. Venons prier. L'église est ouverte le lundi. Et mercredi, les mamans ont leur programme. Elles s'entendent, mais nous vous encourageons à venir prier également. Et le jeudi, nous sommes là à notre culte. Si vous êtes à la maison, venez prier. Il y a des choses, des fois, que le Seigneur va vous bénir à un culte d'un jeudi. C'est vrai, je vous dis la vérité. Il y a des choses que dont ne négligez pas ce moment. Donc, venez prier le jeudi. Mais il y a aussi, pour ceux qui ne peuvent pas être là, pour une raison vraiment banale, les programmes sont en ligne, vous regardez. Mais sinon, nous encourageons à être là. Le Seigneur voit aussi votre violence. Le Seigneur est celui qui est fidèle et moi-même. Donc nous sommes là jeudi également à 18h. Venez prier. Et dimanche, notre programme de prière. Mais nous allons commencer un programme spécial. À partir de dimanche prochain, il y aura une semaine de séminaires et de prières
sur la délivrance physique et spirituelle qui sera tenue par le pasteur Takas, le dimanche 22 et le lundi qui suit, lundi 23, nous cette semaine de jeûne et de prière. On est en jeûne et on vient prier aussi le lundi à 18h. Mardi, comme on n'a pas la salle, on va organiser simplement un programme en ligne le mardi. Et pour ceux qui pourront jeûner le mardi, vous pouvez le faire librement. Le jeûne, c'est nous commençons à minuit, on est en jeûne jusque après le programme de prière. Le mercredi qui suit, également, nous serons ici pour un moment de jeûne et de prière et d'enseignement. Et le jeudi, c'est un jour férié. Pour ceux qui peuvent venir, nous encourageons. Également ceux qui peuvent jeûner, 18h à 20h, également jeudi, qui va suivre. Et nous allons clôturer le dimanche. Et ce sera encore un moment de prière. Nous allons encore continuer à prier, à manifester la gloire de Dieu. Pour les malades, pour ceux qui ont des problèmes spirituels, tout ça, on va commencer à venir prier. Amen. Amen. Et le mot d'ordre, c'est inviter. Parce que ce sont des journées évangéliques. Inviter. N'attendez pas que telle personne vienne du Congo, du Gabon, des États-Unis. Même nous, ici, le Seigneur manifeste sa gloire. Parce que nous n'avons pas souvent l'occasion de donner des témoignages. Il y a des gens que le Seigneur a fait des grandes choses au milieu de nous-mêmes. Donc, nous vous demandons d'inviter, mettez cela à cœur, les invitations en ligne, les pancartes qui vous sont données, vous faites circuler, envoyez le message pour que les gens viennent ici. Amen. Amen. L'adresse. Ah, la date, oui. C'est pas cette semaine, hein. À partir de la semaine du 22, du dimanche prochain. Dimanche, lundi, mercredi, jeudi, on est ici, mardi, sont en ligne. On va continuer dimanche, 29. Et nous allons inviter. Amen. Soyez fiers de votre église. Alléluia. Soyez fiers de votre église. Et soyez fiers des hommes que Dieu a mis en vous. Amen. Si vous entendez, non, le pasteur a dit d'aller, ceux qui sont en Chine, à quel c'est plus ça va. Vous n'êtes pour rien. Jésus, à un moment donné, a même chassé dans sa patrie. Il a dit, nul n'est prophète ce soir. Vous voyez des hommes de Dieu, c'est parce que ça a beaucoup de grâce. Donc ne méprisez pas, venez. Le Seigneur va l'utiliser. Ne regardez pas ta casse, mais regardez le Seigneur qui l'utilisera. Amen. Amen. Donc nous vous encourageons de participer, de venir. Amen. Amen. Avec vos problèmes, nous allons le mettre au Seigneur. Dieu agit si nous sommes unis et on prie par la foi ensemble. Et je crois que Dieu est capable. Amen. Amen. Alors pour notre bien-aimé, je ne sais pas si tous les bien-aimés savent qu'on a déjà déménagé. Il y en a qui ne sont pas dans le groupe de l'église apparemment. Continuons à appeler, à donner l'adresse. La communication a tellement bien fait la fiche de l'adresse. Donc prenez simplement et transférez par WhatsApp à d'autres personnes que vous voulez inviter de venir à l'église. Amen. Est-ce que j'ai tout dit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à ajouter? Oui. Ah oui, le livre du pasteur Yannick nous a béni dimanche passé. Il y a deux livres sur la loyauté et sur l'orgueil, c'est ça? Si, il y en a plus beaucoup, hein, il y en a qui ont acheté. Un livre est à 15 euros, deux livres, les deux, c'est 25 euros. C'est l'ancien Eric qui les a. Si vous l'achetez, parce qu'on devrait, au moment, vous donner le sort de quoi de la semaine. Ce sont des bons livres. Moi-même, j'en ai acheté, je crois que je vais m'en faire à quelqu'un aussi. Donc prenez, même si vous voulez peut-être vous prendre quelqu'un, offrir à quelqu'un. Il y a l'orgueil, hein. Yeah. Tu as donné ça au maximum des cassins que vous connaissez. Ça, je rigole un peu. Moi, je suis cassin, donc je peux me permettre. Hein? Il n'y a pas que les cassins. Beaucoup de gens sont orgueillés ici. Hein? Beaucoup là, il y a beaucoup d'orgueil caché. Ouais, quand il va les cassins, tout le monde est attendu. Même vous aussi. Hein? Bon. Alors, nous allons nous donner de vous. C'est un bon dimanche, il fait beau. N'oubliez pas, quand vous sortez, en tout cas, vous saluez les bien-aimés, vous ayez des nouvelles. On chante comme bien Dieu. Amen. Bien Dieu est bon. Amen. N'est-ce pas que notre Dieu est bon? Alors, n'oublie pas, si tu vois quelqu'un, ça fait longtemps, dis mon frère, ma soeur, je t'aime. Amen. Alors, dis combien Dieu est bon. Oui, reste combien Dieu est bon. Nous nous tenons debout. Thank you.
sur le matin. Tu es avec nous, tu nous as bénis. Merci pour ta parole de vie qui nous accompagne. Merci pour cette semaine que nous programmons, une semaine de victoire et de gloire. Seigneur, merci pour les miracles et pour les témoignages et pour ce que tu as accompli. Maintenant que nous voulons quitter ce lieu, laisse que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu notre Père et que la communion du Saint-Esprit nous accompagne dans la paix. Soyez bénis. Au nom de Jésus, nous disons ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous avons bien mon Jésus. On te salue. On te libère.